Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens frères chers, gros coup de chapeau pour nous toutes. Jeudi, c'est jeudi 4 juillet 2024. Déjà, m'a tout bienvenue sous TAC 509, tout haïtien connecté, dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Grand point cap dominé actualité, Premier ministre Gary Conille, li prend un zip. Premier ministre dans une situation extrêmement compliquée, dans le moment où on a parlé à la. Après yon énième déclaration le fait sous question gang, sous question bandit dans la coupe pays d'Haïti. Déclaration ça qui t'a pral lever plume sous dos un paquet acteurs politiques parmi yo André Michel qui décide camper en face premier ministre Gary Conille, li voye gros pinga bay premier ministre Gary Conille. Si premier ministre pas ranger pied, li pral en face André Michel nan jou kap gen pou vini la. On pral ba ou tout détail yo. Non bon ti mamite. Yon lot bon nou gen ambassadeur américain, hein? Denis Hankins, qui lui-même li débarqué nan ministère défense dans pays d'Haïti. Qui dit ministère défense dit automatiquement l'armée d'Haïti. Eh bien, passage ambassadeur américain, hein? Eh bien, li divise opinion publique là. Gen moun ki bat gros bravo la contentement par rapport avec un ensemble de décisions que pays États-Unis yo même yo prend là pour l'armée, mais quand ça tout gen en pile militaire, pile soldat et qui fait partie de l'armée d'Haïti qui ont même yo voye pied yo fâché yo estomaqué par rapport avec visite ambassadeur américain yo estimé qui pas gain nul droit pour la mettre pied dans ministère défense pays lorsque c'est même yo même qui mettait interdiction pour l'armée d'Haïti opérationnelle pour l'armée d'Haïti bay peuple haïtien en sécurité. Nous pral bon tout détail ça dans bon ti mamite et nous te font chita parler compatriote haïtien frères sœurs comme monsieur Rostand Vital qui lui-même li à la tête d'une organisation qui gon gros coquin chaîne projet pour 500 paysans dans grand nord pays d'Haïti. 500 paysans là yo pral aider, yo pral bay bourade par dans façon par yo pour aider relancer production nationale. Gen espoir, gen avenir pour pays. Donc nous porter en pile information pour aujourd'hui. M'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer petit cloche de notification et comme ça ou après t'es connecté avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Compatriote haïtien frères sœurs, n'a commencé émission aujourd'hui avec yon ti réflexion tout court sous note ça sous communiqué ça n'a regardé là que conseil présidentiel là li publié li mette de yo et communiqué ça que yo mette de yo là li gen pour avec Zak bandi fait sous moun gressier et que conseil présidentiel là yo condamné mais tout yo profité bat gros bravo la contentement et pour déjà la police Ramon Ormil yo dit qu'il rivé prend contrôle commissariat gressier. Ou pas ta imagine ou non? Pendant notre l'an publié, yo a bat bravo yo di la police rivé repren kontrol gressier, repren kontrol commissariat gressier. Moun gressier, depuis hier après-midi, 3h30, c'est SOS y a planse, oui. C'est SOS y a planse. Pour qui ça? Parce que bandi yo retourne encore. Yo retourne vin attaque moun gressier, yo retourne vin kidnappe, vin touye, vin assassine moun. Alors que yon lot bon nou gen autorité l'état yo, nou gen conseil présidentiel transition qui mette notre deyon pour battre bravo la contentement pour di population re tête frette la police reprend contrôle zone nan etc. Nou ka commencer par nous pour nous retourner la caille nous. Déjà là faut conseil présidentiel la ka comprendre propagande il pas petit rien. C'est pas courir fait ti notre sorti di moun yo retourner la caille qui pral changer rien. Le gen résultat tout moun a pour yo à deux yeux yo. N'a pouel, n'a senti, n'a senti vent soulagement, n'a senti réalité, n'a pouel réalité. Donc pendant qu'on s'est là, publié notre là, et puis moun a lancé SOS, passe message pour yon dans la presse, passe message pour yon dans la radio, policier a mandé renfort dans kafou 4 gendarmes, etc. etc. pour qui ça a cause bandit qui réenvahit zone là, et pour une bonne autorité encore à faire propagande. C'est pas possible. Donc, est-ce que l'âme qui a commencé à dire que nous pas fier de notre communiqué que le pouvoir l'État, que la présidence a mis dehors?
Donc là, si c'est comme ça qu'on a fait, les monsieur, dame, CPT, on va gagner. Et si c'est comme ça qu'on a fait véritablement, on a mis les populations en danger plus, on a mis les gens dans une situation qui est plus difficile, parce que nous, quand on veut montrer notre travail, mais ce n'est pas dans faire modèle propagandiste qui a mis les gens dans grand danger. Donc, nous voulons vraiment partager. Et tu réflexions avec nous, tu veux partager et question notre ça avec nous pour moun gressier ka comprendre ka konnen. C'est pas toute fois ouais pouvoir l'état publier un communiqué, publier une note pourquoi c'est réalité. Nous ta bien aimé que la police rive contrôler gressier, repousser bandi, permettre que moun yo retourner la caillou, mais malheureusement nous pour la guerre fort vraiment ka fait pour contrôler commissariat, pour regarder comment vous consolider commissariat, mais pour gagner de concret véritablement. Premier ministre Gary Conille, il fait gros déclaration. Côté premier ministre, là t'a parlé avec journaliste RFIO. Premier ministre et une autre fois encore il reprend ça il te dit déjà parce que il y a un pile tolé moi qu'a fait sous tout réseau Gary Conille dit il paraît pour négocier avec bandi avec gang etc. il bail deux conditions mais premier ministre Gary Conille nous rappelle nous qui côté il te dit pour première fois c'était le là visiter base force là oui le lendemain le Kenya te venir oui. Si je ne me pas trompé, je crois 26 juillet, il te fait déclaration. Il te dit, l'État, il te dit, il va le reprendre, il va mettre sécurité en dedans pays, quartier par quartier, caille par caille, ville par ville, oui. Et si il y a une négociation qui doit être faite avec bandi, si il y a un dialogue qui peut faire avec bandi, premier bagaille, il faut que bandi dépose les armes, deuxième bagaille, il faut qu'il reconnaisse l'autorité de l'État, oui. Donc c'est pas première fois premier ministre Gary Conille dit mais le fait que li dit fois ça c'est dans micro la presse internationale c'est dans micro journaliste RFI etc. nous ouais réseau à chaud pays à chaud etc. mais Gary Conille t'a dit toute bagaille est-ce que le paraît pour négocier avec bandi est-ce que le paraît pour négocier avec nèg exam il t'a dit mais le lendemain le Gary Conille t'a fini faire déclaration ça. C'est après ça, oui, bandi yo te a l'attaqué commissariat, l'attaqué sous-commissariat, etc. Créer des ordres dans le pays, oui, parce que yo te vle montre yo a défié l'autorité de l'État. C'est après ça, nek barbecue yo te prend la ou a gros enfant froid dans le pays, oui, yo tap défilé, parce que yo te vle montre c'est yo que l'État, yo te vle défié en l'autre fois l'autorité de l'État. Donc, moi-même, franchement, m'pense Gary Conille et peut-être li la gueule comme ça li la gueule comme ça mais par on koto pral passer par on moun ou pral chercher expliquer par qui façon pral di bandi ça pour déposer zam pour mon négociation fait pour déposer zam bandi ça yo qui campé là cap défier autorité l'état cap touyer moun nan population moi m'ta reme konnen ki formule Gary Conille te ka imaginer le pral utiliser pour faire déposer zam pour ta mon négociation. Moi-même, je voulais nous aller au-delà de ces bagages, Gary Conille la gay. Si première condition, c'est pour bandi ou déposer des armes, deuxième condition, c'est reconnaître l'autorité de l'État, dis-moi qui ou dialogue ça va le passer pour le faire avec bandi ou. Le dit nous, Gary Conille, c'est grand communicateur lié, c'est parler la parler. Des fois, même nous, quand même, aller pour nous dire c'est chaud médiatique, café, trop comprendre la réalité. Ya. Donc bandi sa yo nèg vivant ensemble yo pral déposer zam. Pendant y a prend plus territoire. Pendant y a attaquer la police. Pendant y a touyer policier chaque jour mon Dieu mette yo pral déposer zam. OK. Eh bien c'est façon peut-être Gary Conille joine pour dire si bandi yo veulent négociation pour bandi yo non seulement leur fin déposer zam quitter yo arrêter yo et puis après à négocier avec yo tout. Non, impossible. Si nous arrivé by déclaration Gary Conille, on importance comme quoi Gary Conille pral négocier avec bandi Réjean Lagué là et quelque part gros bagaille qui pas fin marcher. Bandi on pral déposer zam. Bandi ça on pral déposer zam. OK. Eh bien bandi a mandé eh bien OK pour nous dialoguer avant PM Kounia et faire face Kenya aller moi t'en prie. Et puis après Gary Conille a sorti en autre face Kenya on met aller ne pas négocier à bandi comme ça aussi facile que ça aussi simple que ça
Eh bien, tout ça, les compatriotes haïtiens, frères chums, c'est communication, c'est langage. Vous comprenez? C'est des éléments de langage qu'on a. Bandi a baille parole, pouvoir l'État a baille parole, autorité l'État a baille parole. Et puis, entre temps, moun continue à victime, moun continue à tomber en babal. Ah, Dieu! Moi, je voulais nous comprendre le nègre a fait jouer de coquin, mesdames. Vous comprenez? Le nègre a fait diplomatie. Les moun a utilisé des éléments de langage. Vous comprenez? Comme si, c'est comme si nègre a besoin d'être en actualité. Que ont utilisé la déclaration à bon escient. Que ont utilisé le bien, que ont utilisé le mal, ou parler de yo. Comment t'as pral vle? Comment t'as pral expliquer? Même Gary Koni, jounen jodi a kampe di pral reprendre quartier yo. Li pral reprendre li pral mettre sécurité en dedans pays, kay pa kay, quartier pa quartier, ville pa ville et puis après il pral négocier avec bandi yo. Premier bagay fòk bandi yo déposer zam, deuxième bagay reconnaître autorité de l'état. Pa wè c'est contraire. Alors que c'est même bandi sa yo ak zam yo ki pran kay sa yo, quartier pa quartier, mettre insécurité à quartier pa quartier. Kay pa kay, ville pa ville et pour dire comme ça. Comme si on a claquement de doigts. Eh bien, ouais, ou ta mettre qu'on est Gary Koni à son magicien ta pied. Son magicien ta pied, elle t'a pris une vina avec ti baguette magique li, et puis li fait ça le qu'on est pour le faire, et puis sortir de là, li rétablit sécurité de dans pays. En tout cas, et Gary Koni là, li gete presque gaspillé un mois sans régler rien. Parler seulement, et parler, fait ti bout de vidéo, etc. Sans régler rien de concret. Nous gagnons là message pour Premier ministre Gary Koni. Nous disons ça. Bah, il y a pas de blague. Je n'ai pas regardé là, compatriote Aïssé Frèche, moi, André Michel, livre un message pour Gary Koni. André Michel, lui-même, il va venir pour l'appel, il va parler pour toute bagaille. Pas de dialogue avec gang criminel. Pas de amnistie pour gang. Nous ne devons pas nous tête à gang. Autorité l'État doit prendre responsabilité. Yo. Force multinationale doit supporter la police dans la bataille pour craser toute gang à la ronde badè dans le pays. Donc là, André Michel li gon bon bout de temps, li gon seul discours. Pas de dialogue avec gang, pas de amnistie pour gang, pour bandit. Donc, ou pensez là, on a une pareille décision, c'est seulement décision et Gary Koni li tapye. C'est seulement décision Gary Koni li tapye comme quoi il va négocier avec bandit, etc. Elle pas facile comme ça, non? André Michel, pour qu'on parle là, l'Igeta constitue un véritable obstacle. L'Igeta représente une barricade. Parce que, André Michel, si Gary Koni t'a dit, la franchi ligne, André Michel, t'a bien ton l'autre bord. Il t'a bien ton l'autre bord, faut tirer dans l'opposition politique. Et puis, sortant de qui dit en opposition politique avec André Michel, dit craser, briser sans arrêter. Donc là, je ne connais pas si c'est stratégie pouvoir pour monter en opposition, pour passer 2 ans, pour pas régler, pour voler l'argent pays. Je ne connais pas. Mais que l'on veuille ou non, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, la Gary Koni fourrait être dans une situation extrêmement compliquée que l'a gagné pour sortir la donne. Et là, il fait déclaration l'autre fois, quand il dit policier kenyan, ce n'est pas forcément eux-mêmes qui prennent mener l'opération, c'est la police à clamer d'Haïti. Ça n'est pas nouveau. Li pa nouveau depuis sou Ariel. Toute décision, toute disposition te gen tan pran, etc. Policier kenyan yo, force multinationale yo la pou yo sécuriser infrastructure. Qui sa ou infrastructure? Infrastructure, est-ce que gen pouwe avec Albata bandi? Si pa de yop sécuriser, par exemple, terminal va ou bandi vin attaque yo, ya pou poste. Si pa de yop sécuriser ministère intérieur, ministère justice, etc. bandi vin attaque yo, ya pou poste. Mais yo pa jam di. Préalablement que bandi yo pral que force Kenya pral bataille avec bandi en dans quartier populaire dans ghetto etc. Non. Mais si véritablement problème pays c'est insécurité, c'est problème gang, c'est problème bandi qui bay moun problème, bandi qui empêche moun vivre, empêche moun respirer, empêche moun circuler dans pays etc. Si force Kenya vini, force multinationale là y a déployé, c'est pas pour venir résoudre question insécurité en dans nan bagaille là, mais c'est plutôt venir faire petit patrouille etc. Qui raison d'être là? Qui raison d'être sous pas venir bataille avec gang alors que c'est gang qui a ba nous problème? Pour qui sont venu? Si on pas venir faire exactement sa population attend, que ramasser bac clan yo, d'ailleurs nous pas manger l'argent sango.
Nous pas manger l'argent Chango et pas nous pouper Chango. C'est moun qui t'est signé dans conseil présidentiel qui manger l'argent Chango qui t'est besoin pouvoir. C'est yo pouper. Parce que nous même c'est vivre nous pas ka vivre dans pays nous. C'est nous yo mettre dehors dans pays nous. C'est nous yo fait pas ka circuler dans pays nous. C'est nous yo fait pas ka vivre dans pays nous. C'est nous yo appauvri yo détruit dans pays nous. Donc journée aujourd'hui on faut nous camper pour nous résister, résister contre assaut politique ça yo, résister contre assaut gang ça yo et ba yon réponse. Nous pas résister pour n'a comme si donc nous rester là n'a font résistance 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 à penser c'est pour nous, n'a résister pour nous-mêmes pour nous riposter par la suite. Parce que véritablement compatriotes haïtiens frères sœurs, si Kenya pas venu pour aider, si force ça pas venu pour aider, qui ça yo vinn faire? Qui ça yon vin fait? Eh bien, dans ce ça, puisque n'a pas parlé de force Kenya, n'a pas parlé d'intervention étrangère de dans le pays, eh bien, nous gagnons, compatriotes haïtiens, frères, moi, nous gagnons ambassadeur américain de Yankins, qui lui-même, hier mercredi 3 juillet, a débarqué dans le ministère de Défense, côté l'Alchita parlé avec ambassadeur et. Côté li Alchita parlé avec ministre défense Jean-Marc et Bertie Antoine et sous différents et points qui extrêmement importants. Yo parlé de coopération États-Unis Haïti en matière de défense, yo parlé également de questions formation pour militaires FADH et tout ça. Donc gen pile moun moi qui bat gros bravo la contentement pour passage ambassadeur américain dans le ministère défense. M'pa ko jan moi même un ministre haïtien qui était Haïti là pour aller dans le département d'État américain pour aller al déranger l'autorité américaine, you know? Pour aller venir, pour aller dire, pour aller former, pour aller faire dire, pour aller faire date. Non, pourquoi j'aime ça? Même là en République dominicaine, là, quand vous voisin, on pas ça. Tout le monde était dans la limite. Haïtien, on connaît la limite, pas les bagues doivent franchir, mais eux même, ils n'ont pas la limite, pas eux. Puisque nous avons un ambassadeur de Yankins qui arrivait. Et ministère défense yo la gon communiqué de yo hier pour yo di mais qui ça qui fait dans quatre visites là et j'en ai constaté là yo dit que et ministre défense Jean-Marc et Bertie Antoine il dit que yo te parlé de manière très cordiale et rencontre là était fructueuse etc yo échangé sous question mission multinationale là et également yo discuté sous coopération haïtiano-américaine et en matière de défense, yo parlé sous formation militaire yo, des militaires haïtiens probablement qui a bien pour aller prendre formation aux États-Unis et yo renouveler collaboration yo tout ça en paquet tralala. Et gen moun ki bat gros bravo, finalement États-Unis prend la médaille Haïti sous en base celle li, li pral former militaires et haïtiens etc. Mais moi me comportement ça, moi me voulais nous suspendre avec li en pile froid. Pour qui raison? Parce que c'est même États-Unis ça. Les États-Unis viennent dire qu'ils prennent 10, 15, 50 et soldats là formés pour nous. Là formés pour faire qui ça après? Ils viennent prendre un bar ouvert une opportunité là formés. Ils formés pour qui ça? Ils formés pour arrêter gratter senti dans bazan. Ils formés pour qui ça? Ils formés pour venir toute journée chita en côté là gratter. Pas fin rien pas prendre merde alors que nous gagne pays nous pour nous sécuriser nous gagne sécurité pour nous rétablir dans pays hein? Moi même qui ça me t'ai attendre moi le ministre défense Jean-Marc Bertie Antoine li vini li commencer prendre des dispositions mettre l'armée en condition de bon c'est t'a bien communiqué qui commencer sortir etc. pour demander à ce que la médaille yo tourne yo vers de pays pour yo vendre équipement matériel demander à ce que dans prochain budget pral gagner pour gagner et véritablement c'est pas dans bouche mais pour toute disposition yo prend pour yo mettre l'argent disponible pour la médaille acheter équipement matériel. Je pense que c'est ça que tu as fait. L'offre dit qu'on mette la main en condition de. Mais ce n'est pas faire l'offre, rencontre fructueuse, etc. avec l'ambassadeur américain. Un ambassadeur étranger, qui ça vient faire dans le ministère de la Défense au pays? Est-ce que c'est dans le cadre d'une opération conjointe? Est-ce que c'est dans une collaboration qu'on fait ou vient faire visite pour qui ça? Pour dire le former militaire. Alors que c'est même nous-mêmes qui campons en quoi? Qui dit la médaille n'est pas opérationnelle, la médaille n'est pas fonctionnelle, nous pas de matériel, nous pas de équipement, etc. Si ce n'est pas nous qui choisissons, faire une faveur, faire un cadeau. Et puis pour Haïtiens, quoi, bat gros bravo, la contentement, yo fier parce que finalement, ambassadeur américain débarqué dans le ministère des Forces, etc. Moi-même, j'ai quelques amis dans la médaille.
yo même yo très remonté, yo frustré, yo fâché, yo énervé pour qui ça parce que yo dou qui wall qui doit un ambassadeur américain, qui doit un ambassadeur, un diplomate étranger pour la vini dans base militaire pour la vie dans ministère défense alors que c'est même yo même qui représente un obstacle pour l'armée, c'est même yo même qui représente un obstacle pour l'armée d'Haïti river déployer mettre sécurité dedans pays. Même gens nous aujourd'hui on a parlé de la police a corrompu etc etc, mais tout gen bon police, c'est même gens malgré ou joindre des séries de militaires qui bat bravo parce que yo un ambassadeur américain vini dans ministère etc yo content, mais gen l'autre qui très remonté qui vexé qui estomaqué parce que c'est pas normal journée aujourd'hui pour n'a continuer dans même logique moun nou dit bourreau nou yo depuis bourreau a vinn devant nous nous gen ta tombé d'amour. Nous gétant couché, nous gétant sous vente, nous gétant sous dol pas bon. Li pas comportement ça pas bon. M'pa dit pour nous agressif, pour nous péter gourmet, pour nous péter bataille, mais nous besoin mon caractère qui ka camper, qui défend véritablement ça n'gè pour nous défendre. Donc journée jodi est-ce que c'est seulement États-Unis qui t'a ka former soldat pour nous? Si nous t'gè l'autre ouverture, l'autre opportunité pour nous faire et pour nous gè relation avec l'autre pays, est-ce que c'est seulement États-Unis? Tout bagay c'est États-Unis. Tout bagay, tout manger États-Unis, grand goût nan vente sécurité alimentaire États-Unis, insécurité généralisée à proprement parler gang bandi États-Unis, mission multinationale États-Unis, tout bagay États-Unis. Eh bien, yon met tout rele nou ti Américain nou vini. Yon met rele nou Américain, yon comprenne pas konen. Parce que nou pa ka adik kon sa bourreau nou yo, moun nou di ki bourreau nou yo, c'est toujours fierté pour autorité l'État pour yon recevoir yo. C'est toujours fierté pour yon montrer yon tap bien collaboré, yon tap bien fait 10, yon tap bien fait dat. Wap gade. Ambassadeur al débarqué avec des séries de gros cadres dans la mille. Yon vin discuter. Yon vin discuter kon ya. Kobe, pas dat, nan yon te promet, et la médaille ti, en 80 ou m'vi. Chandasso ou m'vi yo, kote yo. Kote yo. Yo pral sou 2 mois la, kote yo. Yo en fabrication, yon fabrique yo pou nou. On comprenne yon fabrique yo, pendant République Dominicaine, yon ba yo gros hélicoptère de combat, yon ba yo, on comprenne, ba yon pou yo renforcer la me yo, et puis nous même yon passe nou nan tintin, c'est à tintin yo nous zamblé. En tout cas, compatriota yon se fresham, n'avance, pa gen kopé. Et gagne de très bonnes nouvelles et pour agriculture pays non gagne de très bonnes nouvelles dans moment là et pour relancer production nationale là gagne espoir toujours et nous gagne là mettre fait nous connaît qui gon usine maïs et yo même yo mettre campé là yo transformer maïs yo font paquet en paquet bagarre avec maïs yo fait farine maïs yo fait pain maïs yo fait gâteau maïs oh yo fait popcorn. Ah, on pile bagay, on pile, de série de bagay, moi m'pa jam konnen si yo fè yo avec mayi, m'ap gade bagay sa yo m'di non. Et yo bou, yo bon. Compatriota yi se fresham, nou gen Widlin Pierre fòm vanyan, ani alert, yo débarqué, et yo débarqué ale nan usine mayi, nou pral suiv ansanm avèm ki jan e vizit yo, ki jan pasaj yo te ye nan usine la. Oh my God, la pomme.
notre Haïti a une agriculture qui est bien corée. Si nous pas corée agriculture, a toujours une mauvaise gestion dans le pays. Parce que c'est lui qui va nous manger. Toute bête gênée, monnaie. Si nous n'avons pas de pas dire qu'il pas faire n'importe ça pas bon. Mais si nous manger dans le pays, nous n'avons pas combattre et aider les camps juvéniles. Vive agriculture. Vive agriculture. Quand il y a un petit tour. Oui, il y a un petit tour. Mesdames, merci un peu parce que nous allons nous faire un petit passé. Haïti! Haïti pas péri! Haïti pas péri! Ça c'est tout là, ça ça veut dire quoi pour goûter? Pas tuna, bonbon. Bon ça casse un baraton. Parce que moi ma casse, puis depuis une vie on a casse chave. Kenny, vous préparez farine maïs? Non avoine. Oui, ça c'est produit nous faire avec. Belle bagarre, et on fait crème maïs tout. Mes amis pour monde qui loin numéro de téléphone c'est 509 3711 10 04 37 11 37 11 10 05. Je pense que c'est normal, c'est important, c'est obligatoire pour nous manger pays. Mais pas seulement, non mais n'importe qui, mais dans le monde avec quel. Nous sommes depuis qu'il m'a regardé, mais fait qui t'a fait qui t'a nago. Nous sommes là quand même, et m'a dit, mais monsieur, ça, moi, je me fous, regardez, j'en ai taré, mais ouais, j'en ai porté fado pays, puis moi, c'est comme ça, nous sommes là, nous avons décidé de porter fado pays, pour apprendre qui j'en ai marché avec. Je dis, si vous décidez de prendre maïs, ou prendre maïs, ou venir, ou transformer li ou faire toute bagarre sans penser que haïtien supposé manger local pas seulement haïtien même la diaspora c'est pour commencer à acheter sac maïs maintenant mal être la caille parce que nous oui ça important pile ça me te dit le canal là t'a commencé hein moi dit en 2013 mettre ça vert t'es sorti avec bois qui t'a nagou mené à côté et bien le canal là commencé me dit bien travail en fait, développement a commencé à amener pour nous à la veille dans tout le monde, pour nous mener les Iwa encore. Eh bien, Annie, est-ce qu'on est nous pas trop loin les Iwa? Moi, je m'en dis, nous voyons appel là pour nous arriver dans le sud. Ça veut dire payant parce qu'on a travail où tu fais, où tu veux chercher connectivité entre deux grandes régions. Parce que moi, senti de toute ma vie, par exemple, je suis une connexion avec le sud. Pas même bien conçu. Moi, senti le moment pour tout haïtien qui est conséquent. Quand on y est dans le pays, ça occupe nous, ça occupe les Iwa. J'en ai fait en 2013, où tu es sur ta droite, où tu es venu faire connexion avec nous. Je pense qu'on y a fait que nous retournions avec tout ça, ça a charrié d'elle, tout ça, canal a charrié d'elle, pour nous porter l'espoir, pour nous continuer à fouiller canal l'espoir dans tout le pays. Je ne pense pas que c'est hasard qui mène nous en 2013. Et nous ne pouvons pas regarder le jour. Faut que nous avancer, faut que nous allons rejoindre les Iwa qu'on y a parce que l'île le temps pour payer à sortir dans sa lia. Et pas seulement l'île le temps, non, moi je sentis changement, moi je visualise changement, moi je vis changement. Ça veut dire travail qu'a fait l'Alibaba et Kana, l'Alibaba et Nord, l'Alibaba et Nord, son éveil, son réveil national, oui, son bagage que tout haïtien senti et nous pas doué qu'on peut garder, nous doué vivre li, nous doué travailler pour nous atteindre l'objectif, qui est l'objectif, c'est le même rêve Baba Nation te gagne, de Saline te gagne, qui pour que jamais qu'à réaliser, que nous pensons nous, même génération ça, nous avons une chance pour nous vivre ça, pour nous réaliser, rêve ça, nous pas de bon, on va pas oublier de dire, ou t'es dans le comité que tu recevras, qui t'a dit, depuis 27 janvier 2013, nous avons une photo souvenir, côté pour faire partie de comité à qui t'es recevra. C'est bon, que vous savez, nous sommes chita ensemble pour vous. Et une autre chose qui est importante, comme moi, je m'en vis dans la diaspora, je me prenais malheureusement, toujours dit malheureusement, ça comme je m'en vis dans la diaspora, parce que c'est pas vrai, c'est pas là que mieux, mais pour le moment, je suis obligé dans la diaspora. Je pensais que sans faire jeudi, si je suis ici, je n'ai plus de exemple. Diaspora toujours en train de mais qui j'en ai aidé des pays avant, ces pays a fini, pays a pas bon. Si vous même vous te dites même pas là, vous avez gardé sous Port-au-Prince, sous Jean-Port-au-Prince, vous avez dégringolé, ou pas vous mettez ça là. Ou combien de familles vous avez mangé, ou combien de timons vous avez voué l'école, chaque femme qui est là qui travaille dans notre pays, c'est des gens qui ont mis manger.
manger sous tabio. C'est des gens qui ont fait comprendre que le pays n'a pas fini vrai. Moi, c'est toute diaspora. Moi, c'est toute diaspora qui a regardé aujourd'hui. En tant qu'on m'a dit que 8 ans aux États-Unis, vous avez demandé d'être nous. Mais qui j'en ai aidé? Qui j'en ai mis dans le travail pays? Mais faire avec ces gros réponses-là. Même si j'en ai commencé tout petit, il va grosser ça de la journée. Par contre, ça a commencé. Je suis sûr de ça. Elle a vint plus gros toujours. Ou même, ou quand tu cobres, ou travail, ou cobres, tu as aimé tout. Tourner la caillou, venir faire jardin, mettre travail dans la zone pour les jeunes. Parce que en pile fois, si les jeunes ont des âmes, en pile dans yo, c'est parce que vous avez des âmes. En pile dans yo, des âmes parce que vous avez un grand goût. Mais si nous venons, nous créons travail pour vous, nous baillons côté pour développer tête même comme monde, la difficile pour nous continuer dans des âmes. Nous tous mettons ensemble pour nous lever le pays à côté de l'IA. Parce que côté maman, nous avons un c'est seul petit qui a sauvé. Oui, il y a beaucoup de monde qui nous. Il y a beaucoup de Kenya qui nous mettre la paix. Quoi si nous voulons, clé la paix, c'est dans le même lieu. Oui, seul Haïtien qui a sauvé Haïti. Haïti, son zone de non-droit. Haïti, tout le monde sensible à la gâchette. Haïti, mon amour, mon a kidnappé. C'est vrai, c'est bien malheureux. Port-au-Prince, en situation, ça, c'est pas ça, nous souhaitons. Mais Haïti, pas Port-au-Prince. C'est vrai. Nous gagnons. Parce que nous, même quand vivons dans la région nord, moi, je me suis senti au cas. Deux heures du matin. Oui, nous sommes dans la rue. Oui. Nous vivons, je me suis senti comme ça, il y a dans pile l'autre zone dans le pays. Il faut que je suspende 20 Haïti. Nous sommes en Haïti. Nous sommes pour ça, parce que. Tout Haïti qui prend pile en pile côté, il fait bon pour nous vivre, côté nous vivre, côté nous vivre, bien malgré tout. Oui, parce qu'avant hier, je me regardé dans la cause touristique. Longtemps, je ne peux pas regarder les nouvelles sur ce domaine, mais quand je me suis regardé, je me regardé et dit que combien de millions de dollars qui augmentent dans le code touristique. Ça n'a pas gagné pour le vendre touriste que nous-mêmes haïtiens. C'est nous-mêmes qui avons une histoire. Nous-mêmes, son peuple qui va même une histoire. Même. Nous n'avons pas gagné pour le vendre vrai. Mais nous-mêmes, c'est nous qui avons une citadelle. Nous avons toutes belles places, toutes belles blocs, tout côté. Je regarde les mêmes postes pour photo en vidéo. Comme les diaspora qui ont dit oui, bah, ça nous manque. C'est pour nous suspendre, nous manquer. Nous pensons que pas Haïti, pas Port-au-Prince. Moi, j'ai acheté des tickets. Oui, je connais. Et pas bah, dit que Port-au-Prince supposé être des gens liés. Non, je pas dit ça. Oui, nous avons avec passer ça, je pour fourmi. Nous avons besoin pour une solution. La paix pour le pays, ça pour tout petit qui rentre dans tous 10 départements. Mais pour qu'on y a au cap, à son ticket rentre au cap, venez dans le pays, allez au caille, allez Jérémy. Moi, je vais garder au père, j'en tape dire à manger, à gaspiller, à terre, oublier ça. Je pense que l'heure arrive moi-même, je vais venir si je viens faire 3 mois, je suis tellement aimé, j'en paye à y a, pourquoi on a encore dit, fais caille, moi, parce que même pas. Parce que quand même, je vais la caille, je vais l'autre caille, je vais la caille, moi, l'homme vini. Et puis, c'est pas pareil. Il n'est pas obligé de moderniser. Et pas ça, je cherche l'originalité de la caille. Mes amis diaspora, je supplie. Nous connaissons, nous aimons Haïti en pile. Nous pouvons ça. Nous pouvons ça. Pas de mentir dans ça. Mais présence dans tout. Nous besoin. Maman, je sens petit peu de avant. Et voilà. Compatriote Haïti Fresham, moi-même, franchement, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Le mouet et Haïtien à travail, Haïtien qui prend des initiatives, Haïtien qui a des projets, Haïtien. Et à mettre campé et après des initiatives pour regarder comment yo ka mettre pays yo sous rail. C'est ça nous besoin. Nous besoin solidarité ça, nous besoin tête collée ça. Nous besoin le bon bagaille positif qu'a fait pour nous mettre lumière, pour nous booster, pour nous accompagner moun yo. C'est ça qu'a aidé. Donc journée jodian et peut-être gen moun qui ka juste garder passage à mi alerte, passage Widlin, comme ça mais non. Moun sa yo c'est des séries de moun qui a bataille pour pays yo. Visitez usine Mayan, livrez de ça, vous l'avez dit. Vous avez couru ça, vous avez couru, vous avez renforcé la production nationale. Vous avez baillé et bourrade par une façon par yo. Parce que, passez, plus moun pral gen je sous usine Mayan, plus moun pral envie konnen sa kap passe nan Mayan, plus moun pral envie à l'acheter, à le garder, à le mettre men en patte. C'est ça nous besoin. Nous besoin solidarité ça. Nous besoin tête ensemble ça. Nous besoin faire bataille là, non. Nous besoin font bataille 200% nous-mêmes qui pour investir. Vous comprenez? 200% tout nous-mêmes. Nous pas besoin d'attendre rien en retour parce que seul ça nous ca bénéficier dans bataille paysan, c'est ouais pays une stabilité. C'est ouais pays une sécurité. C'est ouais nous ca circuler. C'est ouais diaspora ca venir visiter pays yo, touristes ca venir visiter pays yo. C'est ouais gagner aller mieux, c'est ouais que gagner si moun yo à l'école normalement, gen création d'emploi, c'est ça nous ka bénéficier.
Nous pas tant qu'on oligarque corrompu, non, capitaine nos bagarres et tout pour plein poche yo. Nous pas tant qu'on politicien ka moqué yo, comprendre? Capitaine et pour yo parler pour pays yo, faut que yo gete ba yon enveloppe jaune dans plein l'argent, non? Non, c'est nos pratiques ça au cas des pays mais pays là. Journée aujourd'hui, faut que nous ka fon bataille à cœur pour pays. Faut que nous ka fon bataille à nom. Allez dans commune, dans section communale, dans zone qui recule, regardez qui ça nous ka mettre camper comme projet, comme initiative pour nous aider faire bataille. C'est ça. C'est ça on a cherché. Et véritablement pas caché dit nous j'aime content. Ouais, j'ai d'initiative ça là yo prend yo parce que véritablement ça ba espoir, ça ba cœur content. Ça va en pile cœur content. Et compatriote ici frère Sam, j'ai une entrevue moi réalisée avec monsieur Rostand Vital, à tête d'organisation et organisation ça qui est les gars. Et gars qui voulait dire et Action mondiale pour un développement holistique GAHD. Donc c'est en anglais, OK? Global Action for Holistic Development. Donc organisation ça a un projet là pour aider 500 paysans pour non seulement aider paysans yo pour yo produit mais aider yo toi cheminer produit yo yo aider yo dans joindre semence yo aider yo dans joindre et ensemble de bagaille qui a contribué dans mettre terre en valeur dans mettre production nationale en valeur. Donc nous te font parler à monsieur Rostand Vital, on va le permettre tout tendre dans petit mamite qui sa projet aille et si gen moun ki intéressé qui veut participer qui veut collaborer contribuer donc on pense là vraiment intéressant pour 500 paysans ça dans grand nord paysan pour ta bénéficier projet si là pour aider production nationale là avancer. On nous a suivi ensemble avec qui Jean et entrevue en lui-même l'étape déroulée. Jean m'était déjà annoncé lui n'a recevoir dans l'émission aujourd'hui en monsieur Rostand Vital qui lui-même à la tête une organisation qui relève GAD GHAD Action mondiale pour un développement holistique ou bien Global Action for Holistic Development. Donc nous gagnons monsieur Vital là sous ligne nous pral font un petit parler avec lui puisque il gagne un excellent projet là et pour paysans nous pour agriculteurs nous. Nous pral laisser le soin pour présenter tête lui et présenter grande ligne projet si là que il gagne. Côté et yo compté accompagner 500 agriculteurs, 500 paysans pour aider relancer et production nationale. Monsieur Vital, comment est bienvenue dans l'émission. Bonjour madame, bien merci auditeur auditrice et merci madame de ce côté accepter et invitation de ce côté accepter proposition mais pour te présenter mais dans aucune chaîne émission ça aucune chaîne travail ça ou faire pour éclairer antenne peuple haïtien. Encore une fois non pas monsieur Rostand Vital me représenter une organisation non profit qui se garde la CGA HD, qui veut dire Action mondiale pour un développement holistique. Et pour m'aller plus rapide, garde là qui missionne. Mission nous, c'est pour aider enfants, femmes et garçons pour gagner une vie équilibrée tant sur le plan physique, spirituel et émotionnel. Nous contribuons tout pour transformer la vie Moussaïo partout dans le monde. Non pas seulement haïtien, mais tout l'autre côté qui ont des gens moins évolués qui besoin d'aide. On a parlé tout de santé, de motivation personnelle, ça veut dire que motivation, développement personnel, entrepreneuriat et une approche holistique. Et son organisation tout qui fait fonder, nous gagnons à peine 7 mois et premier lancement nous voulons lancer l'I. En Haïti, mais l'organisation a couvert de tous côtés. Nous avons une licence fédérale, une licence fédérale, papier fédéral, qui permet l'Amérique, qui permet nous capables de lancer le mouvement, plus nous gagnons papier dans des départements. Nous avons Connecticut et puis nous avons l'État de New York. Cela veut dire que légalement, nous sommes capables de faire collection
avec les gens qui veulent aider nous dans des États. Et pour aux États-Unis, nous travaillons avec les gens qui ont les foster parents. Foster parents, c'est les gens parents qui trop pour parents abandonnés et obligés d'apprendre. Excusez-moi, une question. Non, non, moi, je dis nous mettons dans un foyer d'accueil. Oui, nous, non. Yo, l'État paye un monde. L'État paye un monde, on s'en a lui-même pour occuper de monde ça. L'État paye un monde pour occuper de ça. Ça nous fait, nous parler à ce monde ça, pour avoir une motivation, pour avoir un développement personnel, pour nous réintégrer en dans la société encore à partir de connaissances que nous avons bâillées. Et, bon, montrer vite là, pour le programme ça fait, nous avons besoin des donateurs. Nous avons besoin des donateurs. Mais c'est Haïtien qui forme le mouvement, c'est Haïtien qui l'emborde, direction mouvement. Premier objectif, nous avons commencé à partir du mois de septembre, octobre ou novembre, lorsque nous avons rentré, c'est aider 500 000 planteurs en tout. Mais nous ne pouvons pas aider 500 000 planteurs en un seul coup, nous avons commencé à 30, 40, 50. Mais le projet ça a commencé dans le Grand Nord. Le nombre de choses que je vais apprendre, c'est que un être humain gagne trois devoirs. Un devoir envers visible qui crée là, un devoir envers propre qui parle, et un devoir tout envers l'autre monde qui vit à côté de lui-même, l'autre monde qui lui juge qu'il a nécessité d'être accompagné. Projet a dit, c'est agriculteurs en avant. Let's go farmers. Contribuons à améliorer la production agricole en Haïti. Pour quelle raison? C'est parce que l'agriculture dans tout pays, il y a un pile valeur là-dedans. Parce que si nous pouvons importer seulement, nous pas exporter, et ça fait l'argent haïtien de jour en jour, l'a réduit jusqu'à ce qu'il a vienne ensemble. C'est parce que nous manquons de production pour nous venir acheter l'un de nous, nous plus acheter l'un de l'autre monde. Quand il y a tout comme nous gagnons, nous obligés de changer l'eau en euro ou bien dollar canadien, dans quel que soit pays. D'exporter pour l'acheter. Là, je ne veux pas de valeur. Mais si nous relevons l'agriculture, nous mettons sous pied, non seulement et pas sous pied temporaire, nous accompagner l'agriculture, côté que nous mettons un programme plus ou moins permanent qui a passé de génération en génération. C'est dans le contexte, nous-mêmes, garde, on a dit action holistique pour le développement. Nous voulons lancer le premier projet. Nous. Côté que nous avons besoin, nous pouvons prendre un expert dans l'irrigation qui sont agronomes pour nous garder qui gens nous capables de prendre l'eau qui est plus près pour nous faire passer les jardins l'entend sécheresse pour que la plantation ça continue à bailler les côtes. Même les gens l'obtiennent la pluie. Ok. Monsieur Vital, et déjà là, qui contact, qui relation, qui chita parlé, qui gagne, et parce que nous visons dans le document, dans l'information, nous voyons, nous comptons contribuer pour nous valoriser et tes 500 agriculteurs dans le Grand Nord. Est-ce que déjà nous visons? Et terrain sa yo, nous gagnons chita parler avec yon groupe paysan et nan ki point de marché. Ok, nous pouvons chita parler avec aucun paysan, mais nous visons point. Vice-président qui vit au Canada, l'LT Haïti, il y a un groupe paysan déjà qui te connaît travail pour lui. Qu'est-ce que ça nous va le faire? Lorsque nous gagnons premier montant nous qui rentre, nous allons remobiliser le groupe Mounsayo. Si je ne suis pas trompé, c'est dans la zone H. De H jusqu'à Saint-Raphaël, nous avons passé Papillon. C'est la zone Sayo, nous avons
recevoir d'abord. Qui ça nous a fait? Qui ça nous a fait? C'était habitant au lapier. C'était habitant au lapier. La demandé habitant au coup de la première bagarre, doléance. Qui ça que vous besoin pour être capable de produire la guerre? Ça nous prend le bail, c'est pas tellement l'acheter tellement même. C'est cadeau n'a pas fait, cadeau pour faire production manger. Et le même moment, tout, nous prenons garder la zone qui est plus éloignée, qui n'a pas l'école. Et la zone ça, on y a là un mouvement capable d'acheter un terre pour nous construire une école pour un petit monde, pas besoin de marcher 2 heures du temps à 3 heures du temps. Pour y aller dans l'école. C'est dans le contexte que ces habitants ont fait réunion avec eux lorsque nous collectons près de 5 à 7 000 dollars, ça a commencé à avancer. Nous avons pris une doléance, nous avons pris un agronome qui a une connaissance dans l'irrigation pour évaluer qui ça a produit, qui ça a produit, comment pour nous prendre de l'eau à le plus près. Pour arroser jardin, c'est à ce moment-là pour GA à la route. Donc, si je comprends, pour qu'on ait une équipe qui a fait expertise souterrain, pour qu'on ait, pour faire évaluation théâtre, pour qu'on ait qui type de production le capre. Donc, pour qu'on ait une équipe sous place en Haïti, ces projets à nous viser, nous voulons commencer avec collègues de fonds, mais pour qu'on ait une équipe qui pour faire un bagage concret en Haïti et avec les gens nous viser. Non, pour qu'on ait une équipe pour faire un bagage concret. Comme je dis, vice-président, l'élite Haïti, il était un combat. C'est à combien que nous allons commencer. Et premièrement, il faut nous arriver sous terrain, les cobblers de nous, il faut nous arriver sous terrain pour nous parler à paysans. Parce que les paysans, après, il faut faire un tige en coulé. Il faut faire un tige après pour nous permettre l'irrigation en fait facile. Mais est-ce que le pata est bon pour nous faire évaluation avant nous faire collecte de fonds? Parce que si. Associé organisation li pa gagné comme si li pa gagné fond direct c'est collecte de fonds la fait c'est don c'est donation c'est moun et qui pour bail donation etc. Donc est-ce que nous pas ta besoin qu'on bagay concret pour nous présenter moun yo pour nous dire voilà mais qui côté nous té mais qui côté nous yé mais qui côté nous voulé aller et puis pour nous inciter moun yo et dans sens ça pour yo encourager pour yo bail donation parce que si moun n'a pas un bagay qui concret comment on pral vendre ni projet a pour encourager pour participer avec nous. Bon, premièrement nous même qui fond l'organisation nous mettons, nous bâillons au capital. So, à partir du capital, nous bâillons là, vers octobre ou novembre, nous pourrons prendre renseignement. Nous pourrons commencer à collecter des habitants. Nous-mêmes, nous avons capital, nous faisons cadeau déjà. Donc, si à capital ça, si à capital ça, nous pourrons aller pour nous payer l'avion, nous pourrons aller derrière, nous pourrons faire réunion avec les habitants. Mais ça va ça pas camper projet là. Non, il va pas. Quelque soit. Quel que soit qui ne gagne comme là qui ne pas gagne comme là, il faut que nous aller d'abord pour nous demander habitants yo qui ça qui nécessaire que yo besoin pour yo travail, pour faire produire plus bien, pour nous garder pour parce que nous pas ca voyer un monde, nous pas ca le téléphone pour nous prendre un agronome qui gagne connaissance en irrigation pour nous dire à faire tel bagaille. Non, il faut réunir d'abord avec mon paysan qui possède des terres. C'est à partir de réunion qu'on y a là, nous pourrons commencer à investir dans nous. Mais ça va veut dire que projet a écrit déjà, nous comptons tout ça, nous pourrons le faire. Ça va nous dire que nous pas capables de commencer à collecter des donations. Parce que nous-mêmes qui fondons des organisations, nous mettons chaque monde par un capital pour nous faire des organisations. Et en plus, mon capitaine dit là, qui connaît les gens organisation fondée pour le fonder légalement, pour gagner un cabinet d'avocat ou bien une femme
office qui régler ça, parce que il prend 6 à 7 mois avant pour tout papier une organisation qui est bien fondée pour légaliser. Parce que ma garde projet à son projet qui vraiment intéressant côté que m'a rappelé public là et n'a font parler avec monsieur Rostand Vital qui lui-même c'est responsable association qui c'est responsable organisation Action Mondiale pour un développement holistique gars et côté que li gagne à équipe li un projet là qui visait pour yo aider près de 500 paysans 500 agriculteurs dans le Grand Nord côté à faciliter yo faire irrigation avec arrosage jardin yo et dans cadre projet si là côté à faciliter aux jeunes accès avec semences de qualité avec des techniques modernes de production d'exploitation agricole et yo a supporté yo également dans ça qui gain pour avec labourage décompactage terrain yo et jardin etc. Yo a supporté yo également et dans ça qui gain pour avec transformer préserver et dans façon yo pral gain pour yo vendre denrée yo et yo a facilité yo l'autre possibilité et par des moyens communautaires pour yo faire développement pour yo vinn gain une certaine indépendance financière mais monsieur Vital et n'a regardé ensemble projet n'a regardé un paquet de bagaille nous comptait faire pour agriculteurs yo pour paysan yo et est-ce que nous gagnons intention et Fonchita parlé avec le ministère de l'Agriculture pour nous garder et est-ce que tu as des possibilités pour nous mettre campé en ferme agricole pour nous agrandir superficie parce que déjà on peut commander et qui superficie nous viser parce que pas oublier paysans nous en Haïti c'est agriculture de subsistance yo faire yo pas faire agriculture à grande échelle pour exporter aujourd'hui hein. Qui superficie nous viser comment nous comptons avancer avec projet par rapport avec autorité l'état au ministère de agriculture si nous ta gagne ça et dans vision nous dans main. Bon, et une belle question que vous posez, tout projet il commence à 1%, 2%, 3%. Et moi, après mon proverbe, parce que c'était l'autre, t'es dit avant de mourir, et chien, et pas japper machine qui campait, chien japper machine qui dérapait. Automatiquement, ou beaucoup dérapait, m'a pas que le gouvernement haïtien pour rentrer dans des marches là. Et m'a pas que le gouvernement haïtien gain assez de fonds disponibles, après les rapports, il y a assez de fonds disponibles pour t'aider même 50% dans le Grand Nord. Et ça vient automatiquement, nous commençons ce projet, nous capables d'écrire des instances internationales. Okay. Et depuis le projet a commencé, instances internationales, côté que nous capables d'être. Chaque année, côté que vous présentez ce projet-là, vous regardez où vous commencez déjà, pour ce projet-là passer, et puis côté que vous continuez à financer ce projet-là sur l'autre échelle. Oubliez tout, et même paysans, ça, côté que nous avons l'idée pour nous faire l'école, c'est à acheter produit ça, là, mes paysans, pour nous battre pour petit peu manger. Ok. T'as pas cherché les paysans pour petit peu manger. Et puis, il y a un point qui est important encore, n'a pas au développement personnel, non seulement pour apprendre à vivre l'un à l'autre, pour connaître sous la terre des richesses. Tout le monde n'a pas besoin de vous mettre l'un à l'autre. Allô? Ablaoui? Non, où m'est avancé? Où m'dit que moun pas besoin de Raymond? Tout le monde qui a vivre. Mais toujours complète de ça, toujours plein de ça. Les organisations sont venues, ils ont pu être avec Haïti, c'est très bien, mais formation de monde qui a pu recevoir aide là, elle est aussi importante qu'elle doit pour qu'on importance aide ça, pour qu'on multiplier aide ça. Parce que si on pouvait
chinois qui dit comme ça que au lieu que ou ba on mon poisson chaque jour montrer le péché. C'est plus qu'on montre le péché, la capable à pêcher poisson pour compter. Nous grand pile problème ça en Haïti. Ou ba mon nan aide là, mon nan fin manger aide là, il pas fait aide là travail ou pas éduquer lui comment pour gérer aide là, comment pour multiplier aide là et puis sortant de là, demain, le retrouver la même position qu'il était avant ou bien plus mal. C'est ça qui fait que nous parlons du mot holistique. Holistique là, son mot qui englobe son chaîne que lié. Son chaîne que lié, il englobe formation maintenant, développement maintenant, comment pour venir entrepreneur, comment capable de faire business. Qui sa zone n'a besoin? Comme vous avez sa zone n'a besoin, au lieu que pour conduire 50-100 km pour la population à prendre, ou même ou capable de mettre sa zone n'a besoin à la disposition des coteaux. Les ça, il faut gagner des business dans la tête. N'a enseigné mon yo toutes sortes de principes. C'est un projet à long terme de lié. C'est un projet à long terme de lié. C'est pour un projet à court terme et son projet tout, l'aile commencée, qui a supposé passer de génération en génération parce que n'a quitté des données spécialement au développement personnel. Au développement personnel, ce sont des coups que n'a écrit, n'a pensé et le monde qui a venu prendre la relève en Haïti, capable de dispenser coups à eux. C'est comme si en Haïti, l'aime de l'école en sixième, et du coup, on fait ça, les civis. Tout le monde m'a demandé un civis encore. Mais ça a une sorte de civis qui est plus élevé, n'a pas retourné avec lui, qui c'est développement personnel. Donc, est-ce que dans le cadre du projet, et question ça est extrêmement importante, parce que et si n'a basé nous dans le Grand Nord, et est-ce que principalement moun ki a ka participer dans projet, est-ce que faut qu'yo fait partie de l'association ou bien est-ce que faut organisation et t'a choisi et terrain yo t'a choisi un bout de terre pa yo, est-ce que pas gagner l'autre bagaille tant qu'on te ka mette? Parce que paysan yo plein en pile pour question banque agricole, yo plein en pile pour question et machine agricole, est-ce que dans le cadre du projet si là et l'autre monde qui pas fait partie de projet a yo ka espérer joindre et yo banque agricole yo ka joindre yo espace côté yo vinn louer machine agricole tout ça, est-ce que nous bien ça dans vision nous dans l'esprit nous pour nous mettre pour accompagner plus monde plus paysan même si yo pas ta fait partie et de projet a? Bon, c'est un bagage qui a sous grand échelle, pas oublié, je vais répéter encore, et tout bagage chinois a dit que une route de 1000 km, il a commencé par un grand kilomètre. Et ça, on a pris 99 km. Nous ne sommes pas capables d'établir tout ce qui est là, son grand coup. Oui, tout ce qui est là, il a fini point par point. Parce que. Projet n'a pas été sous pied par une discrimination. Et lundi dans le Grand Nord, là, c'est toute République d'Haïti. Hein. Mais il faut que nous commencions à côté. Et spécialement, lorsque nous avons écrit le système, là, à cause de l'insécurité qui en Haïti a un pourcentage très élevé, nous avons jugé d'abord pour nous commencer dans le Grand Nord, pour nous faciliter notre transportation de New York à Miami, de Miami. Et de Miami à Cap-Haïtien. C'est ça qui fait de mettre Grenoble là. Mais il n'y a pas question que son paysan pas fait partie du programme, non, que lui pas besoin d'aide. C'est ça qui fait que nous pourrions prendre des doléances. Nous pourrions prendre des doléances. Nous avons un expert avec nous. Et c'est à partir de ça qu'on est là, nous pourrions connaître comment nous pourrions dépenser combien. Nous avons une autre organisation. Nous pourrions entrer pour parler avec nous. Matériel ça au cours de cité là yo, c'est pas là essentiellement au monde cabaye, des monde cabaye des matériels. Son matériel ça yo, il représente l'équivalent à l'argent. Matériel ça au cas là au service de paysans yo, même lorsque ou pas fait partie de l'organisation. Oui, nous pouvons garder pour nous
si c'est lui n'a lui monde pas fait pas autorisation après n'a plus là et comme ça il pourrait investir tout dans tout monde dans l'école pour construire pour aider tout monde évoluer. Nous pral fini monsieur Vital et coup projet c'est à combien nous évaluer lui? Bon, projet à nous évaluer projet à 250 000 dollars. Nous évaluer le projet à 250 000 dollars, mais nous besoin 50 000 dollars pour nous commencer le projet. Parce que là, nous commencer, nous ne pas prêter. Comme je vais répéter encore, chez Pajapé, machine qui campait, machine qui dérapait, nous avons de transparence à chaque point que nous y est. N'a pas transparence, nous avons un website qui est en construction, nous gagnons une page Facebook côté que nous pral créer, nous si pour papier légal, nous gagnons tout papier légal nous net, nous avons un banque account qui sous nos organisations pour nous déraper. Si on table fait donation, nous avons un numéro de téléphone, si on zèle relier, c'est 516-805-08-22. Pas répéter encore, c'est 516-805-08-22. C'est son numéro ça, ou capable d'avoir une donation. Si vous avez une donation qui est assez élevée, ou t'as mais ou avez aux États-Unis, ou avez une donation qui est assez élevée, ou t'as aimé pour que la donation ça baille l'État, nous capables de faire un papier à la fin de l'année, côté que l'État a connu, côté fait cas de 3-4 000 dollars, il y a bon crédit pour lui. Il y a bon papier, je vais répéter ça encore. Si vous voulez faire une donation qui est assez élevée, il y a bon papier légal à la fin de l'année pour dire que nous te garde 3 000 dollars, nous te garde 4 000 dollars ou rapporter dans un compte taxe. Tout papier non légal, encore une fois, by petit pachiche, 5 dollars, 6 dollars, 7 dollars, 8 dollars, 9 dollars, 10 dollars, autant que mon carrivé, côté mon carrivé, n'attendent participation. Pas oublier, Jean-Pierre est là, en plus, il a besoin de pouvoir pour aider. Aider ou pas besoin de pouvoir. N'importe moun ka organisé yo en groupe yo aidé n'importe moun ka organisé yo en groupe yo aidé k'ap fait avec transparence comme moi dit m'a dit auditeur auditeur k'ap tande émission là agriculteur en avant c'est Global Action Holistique pour développement si vous voulez participer en donation pour aider nous à avancer le projet dans le Grenoble. Pas avec une jalousie qui fait, l'aime dit Grenoble là, son projet qui a établi sur toute la République d'Haïti. Hein. Mais pour le moment, on a commencé avec le Grenoble. C'est 516-805-0822. On a fait un zèle sous Contar. Contar, c'est Citibank. Pas de problème, mais m'espérer même numéro ça si on moun ta vle contacter ou yop ka joen nous sou li pou yo et prend plus information pour ba yo plus détails sur organisation et projet et cela. C'était un plaisir monsieur Vital pour te recevoir pour te faire ti parler et sous projet a, c'est un projet qui très intéressant donc m'espérer que moun yo a pe contacté ou pour yo joindre plus d'informations, plus de détails. Et si vous voulez participer ensemble avec ou avec l'équipe pour nous aider paysans dans le Grand Nord pays. Merci, monsieur Vital, et bonne journée. Merci beaucoup. Encore, c'est un plaisir de vous recevoir pour l'émission. Vous êtes capable de présenter et projet ça. Vous avez fait un bel travail. Vous avez aidé tout le monde à participer. Je vous dis à la, vous reconnaître ou participer déjà même d'emblée là, réussi projet ça. Merci beaucoup. D'accord. Et voilà, compatriotes haïtiens fraîcheurs, c'est là, nous mettons un bout dans l'émission pour aujourd'hui. C'est un véritable plaisir pour nous porter information sur la pour rester connecté avec la chaîne pour cette programmation. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et bien, on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi. Mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Émission Mon éditorial.
Al Fish passe analyse. Débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, Monsieur Chanel Paul là pour qu'à bien informer avec Yannick.